Tumsifu Yesu Kristo. I am Regina Nzisa from Kenya, East Africa province, and my joy of being a lay assumption, joy of knowing Maria Ejini, the love of the church, the love of the Our Lady, and the love of Jesus. Christian Olivier, je viens de Madagascar. Je viens de Madagascar. Comme on le dit, Michael Dufon. Je suis de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Je fais partie de la province Afrique de l'Ouest, et qui représente 100 pays. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et le Niger. Et je suis arrivé comme délégué, j'ai senti que... ici, c'est une grande famille. Gomjo Monique, épouse. Je suis d'abord ancien de l'Assomption. Ensuite, j'ai embrayé sur le pas d'être laïque Assomption. Et je suis responsable des laïcs dans ma province, qui est Cameroun-Congo. Je suis Ndaïsaba Innocent. Je suis dans la province de Rwanda-Tchad. Je suis dans le Rwanda. Je suis dans l'Assomption. Je suis dans le Notre-Dame des Apôtres d'Ivoire. It's a good experience. It's a welcoming environment, friendly people, full of love. Even if there is the language barrier, you're still feeling like you are one and one, the same family, the family of the Assumption together. And je vous ai dit, je suis une ancienne de l'Assomption, donc j'ai cheminé longtemps avec les valeurs d'Assomption. Et ça continue aujourd'hui. Et je me réjouis d'être dedans depuis, mais j'ai beaucoup de choses encore à découvrir. Et c'est ça que nous prenons tous les jours dans mon groupe Affaires. On étudie le chemin de vie, on recomprend tous les jours l'éducation transformatrice, les modules et tout, dont on a encore à apprendre. Dans la communauté d'Abidjan, on est une dizaine et on se rencontre chaque une fois par mois. Et on traite des thèmes de l'Église comme... on traite des modules pour connaître un peu la vie de Marie et Génie. Il y a deux engagés. Nous avons d'abord vécu, on appelle chemin de vie. Bien, nous nous sommes appropriés de ça. Et au sortir de ça, on a fait un engagement et on nous a porté les croix lors de notre cinquantenaire, l'existence des religieuses au Cameroun. Et l'autre jour, c'était en janvier, nous avons renouvelé notre engagement à la suite de Marie et Génie et dans Assomption ensemble. What impressed me? It's the tour in the museum, where we went, you were taught about Maria Eugenie, her life, how she started the mission, the education, the desire to bring change to the people. It really amazed me. And how the congregation can still keep those documents safe for the future generation to learn from them. C'est une très belle expérience. Dans les discussions, ce qui me plaît, ce qui m'impressionne, c'est que tout le monde est au même niveau. On écoute tout le monde, on fait de telle sorte que tout le monde se sente bien. Et tout le monde se sent important et tout le monde a envie de donner. Ça, c'est ce que je veux dire. C'est vraiment fructueuse. Les expériences que nous vivons ici, que nous allons encore vivre parce que ce n'est que le début. Nishimiye kuba muri inama nkuru y'umuryango kuko imfasha cyane cyane mu bitekerezo byo kubona icyerekezo cy'ejo hazaza cy'umuryango. Nanjye nkagira uruhare mu gutekereza no gutanga umuganda wanjye n'umusanzu wanjye mu byo mbona twageraho mu minsi iri imbere. Ikinshimishije rero ni uburyo nahuye n'abandi, cyane cyane tugasangira isengesho, tugasangira ibitekerezo, tukareba imihamagaro, kandi imihamagaro y'ingenzi, aho twese duhamagariwe kubaka isi ndetse no kwihindura, ndetse natwe mu rugendo rwacu duhora turimo kugira ngo turusheho kuba abakristu banogeye Imana. Grande joie a été de voir le tombeau de la mère Marie et Génie de Jésus. C'était émouvant. Et nous rencontrons chaque membre de chaque continent et tout le monde est présent
et on fait une grande découverte. Je suis sûre qu'en partant, j'ai encore pris beaucoup de grâce que je vais aller partager sur nous. En venant, c'est une belle expérience parce que on découvre d'autres choses. J'ai eu la chance de visiter le musée de Marie et Génie. Et ce qui m'a même impressionné, c'est le fait que en si peu de temps, elle a parcouru le monde en créant plusieurs fondations. I've learned a lot. Being in contact with lay assumption from different continents, I've learned their experiences, and I'm sure when I get back, and I promise you, I'll give you all the information which I've learned, which will put impact and move East Africa forward. Thank you and bye bye.